Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sak Mabou Lakay. En fait, jeudi, c'est 6 juillet. Et mais Canada fait qu'annoncer là, li pral commencer inviter moun qui était dans programme ça que on parle bon ici déjà créé les Express Entry, même loi international Canada. C'est des séries de moun qui t'a chercher résidence au Canada sous base Express Entry, mais yo pral commencer inviter moun ça yo pour yo faire application pour résidence à partir de jeudi à qui c'est 6 juillet. Ça veut dire son programme yo te font ti camper sous lui. Même j'avec tout côté parce que y a un qui pense il y a parlé de backlog qui gagne dans le système là par exemple ou même qui gon pile temps à attendre mon en Haïti ou même tout peut-être qui gon pile temps dans TPS yo pense que son bagage qui typique pour USA il pas typique pour USA ça vous comprendre c'est que parce que tout côté tu fermes porte yo et c'est ça puis monde pas comprendre c'est vrai en 2020 ou 2022 deux ans plus tard mais yo tout fermes porte yo pendant l'année 2020 et 2021 là yo commencé à ouvrir c'est presque à la fin. Est-ce que vous comprenez? So, pendant tout le temps, ça a une application que tu as faite. Et vous êtes pratiquement campé par ça. Donc, puis vous commencez à vous. C'est ainsi que le candidat éligible qui était appliqué pour permanent résidence et sous programme ça. Programme ça qui est le Federal Skilled Worker Program. Ok, il y Federal Trade là tout. En fait, qui ça lit? Nous parlons de lui. Basically, son programme, n'importe monde qui a une profession. Ou comprenez, capable d'entrer là-dedans. Il y a des séries de monde qui disent, ah, je vais avoir une résidence, je vais prendre un peu de corps, je vais payer 5-6 000 dollars. À la vérité, ça, mon affaire, vous avez un peu de travail, je vais sous-estimer, parce que je vais faire pour le monde, parce que je vais avoir un peu de travail lié. Parce qu'ils ont abandonné pour entrer, ils ont un ensemble de tests pour t'apprendre. Mais ils sont online. Si un monde calé ou prend 100 ou café, il y a un peu de monde qui connaît tout, et tout, là, il y a, ah, monsieur, pas moi, monsieur, ni madame, ni petit li. On sait le coup de Haïti et le Canada. C'est des gens qui sont bon dans le programme. Ça. Parce que l'entrée dans le programme, là, c'est vous-même avec toute famille. Vous entrez toutes données au début bon. Ok? Ou alors avec toute famille d'un coup. Ok? Ça veut dire c'est basically son programme que vous entrez toutes données honnêtes. Et puis vous dites, ok, ou candidat. Et dit, vous mettez en ligne, en position. Donc, Jean Zulia prend son programme qui était campé. Vous démarrez. Gagné ministre de l'éducation et d'immigration qui c'est Sean Fraser hier je crois qu'il était mardi a et justement lui informé et que lui campé enfin il met en restriction sur bail ça lui campé en fait ils font campé en fait ils ont fini avec cause restriction qui était gagné pour monde qui était dans Express Entry a et jodi a qui c'est 6 juillet, il a redémarré programme ça. Et d'après rappelons que c'est pendant près de 18 mois que yo te font camper sous programme ça et lorsque coronavirus ça t'a augmenté, côté presque le monde en dit ça, le monde te font camper. C'est ça en pile monde de refuser comprendre. C'est sur Twitter, le ministre immigration au niveau du Canada, c'est Fraser, sur Twitter, il a fait annonce ça. Il a invité tout le monde capable, non seulement sur TFL, déjà, on va parler de l'eau, mais on est capable de commencer à faire application en bas programme ça. Qui est, m'a rappelé pour vous, Federal Skilled Worker Program. Donc, il y a tout qui est Federal Trade Program. Il y a encore Canadian Express, Federal Skilled. Vous comprenez mieux, il faut avoir un skill. Faut qu'on profession, il dit sous pas fin, hein? Programme ça pas pour, sous pas professionnel ou pas gagné on fait. Donc à partir de jeudi, tout candidat qui qualifié, il va commencer inviter ou dire, venez appliquer pour résidence, ok, dans programme ça. Fédéral skilled c'est le plus bon gars on y a les fédéral tu es tout. Et gagné Canadian experience bon, la donne tout, experience ouais ou gagné causé experience. Il fait le sous-basé, bien que beaucoup fait trop recherche sur ça qui est le Canadian Experience Class là. Bon, vous comprenez, son bagage qui est basé sur valeur expérience que vous gagnez dans le domaine. Ok, donc c'est ça, vous connaissez. Et je rappelle que l'information ça va venir dans le moment où vous connaissez Justin Trudeau à bataille là pour faire, en fait, parce que presque tout compte, même avec les États-Unis. Il a fait face avec un retard, même sous cause d'immigration pour famille.
d'après et rapport que vous avez sur immigration, réfugiés, citizenship Canada, vous avez un backlog de 2,4 millions de personnes. 2,4 millions. Parce que le Canada m'a parlé. Vous comprenez? Le Premier ministre Canada, Justin Trudeau, il a dit mois dernier que lui-même lui a annoncé. Il a annoncé dans les formations de une nouvelle force de ressources humaines pour deal avec ça. OK? Donc, il y a des groupes, moun, nous allons mettre des gens en plus pour faire face avec un backlog. Ça. Donc, ça veut dire quoi? Ou même qui t'a intéressé, bah, dit, pas besoin d'attendre pour aller pour me dire, pour me juste mettre au courant. Dès qu'on parle de déjà, lire les Express Entry et Souka Joignon Moun qui pourrait deux ou bien Souka Trifle pour contour. Basically, sous tapé, qui est en français tout? Il y a en français, il y a en anglais. OK? Soit aller sur site Canada ou après programme en français ou après en anglais et justement et il y a toute information sur lui. Une autre bonne à rappeler que Canada a pris engagement tout ça sont l'autre aspect 27 millions de dollars pour le capable comme t'a dit ça là rendre causer immigration pression causer immigration pour le capable retirer de ça 27 millions de dollars. C'est des leaders à travers les Amériques, inclus Trudeau, qui ont signé avec le président Joe Biden, ça a eu un engagement historique. Un engagement historique pour diminuer la pression qui gagne dans Sandarele et pour ensemble de pays, pour tout diriger vers le nord. Tout le monde, en fait, surtout l'Amérique là, et tout doux, nous prenons tout ensemble, nous prenons le Canada. Parce que tout simplement, difficulté qui gagne la caillou. Et à cause ça, qui c'est un accomplissement important au cours du sommet en Californie, Canada, bon côté, parle pour engagement pour le bail 27 millions de dollars année ça, pour le capable justement ralentir flot de immigrants qui sortent dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes, là tout pour qui ça est capable de faire pour eux et justement créer la vie pour que mon yo capable. Et dégager yo côté que yo hier ça c'est un autre chapitre que Canada a intention mais Canada tout qui plus que jamais a fait face avec justement une carence de ressources humaines voilà pourquoi yo pensez que même avec les États-Unis présentement là nous connaissons d'ailleurs gien un ensemble de donneurs parler des monde en fait cap dire républicain il faut que les pieds faut que lever pied parce que même c'est business. Yo gen yo pa gen moun en fait cette histoire bloquer moun sur immigration bon bon et moun donne républicain yo di gon yo pral pa pa bay cob la parce que manke immigrant et business yo affecté devant l'argent yo pa kont bagay cause discrimination. OK, donc voilà guys, justement nous te vle porter update ça yo pour vous. C'était un véritable plaisir, pas oublier toujours rester connecté avec News 80. Bye bye tout le monde.